Cerdan, chanson écrite en 1964 et interprétée par lui-même. Elle est extraite de l'album Olympia 1964. Gabriel, c'est Jean-Claude, l'homme de la Manche en 1968 et ne me quitte pas en 1972. Jacques Brel a été aussi acteur dans une dizaine de films, dont Les Risques du métier en 1967, d'André Cagat, ou encore Mon oncle Benjamin d'Edouard Molinaro en 1969 avec Claude Chad. L'aventure, c'est l'aventure en 1972 avec André Pacomachel, Léo Ventura et Johnny Hallyday. Et puis l'emmerdeur en 1973 de Claude Molinaro avec encore une fois les deux grands choix. Réalisateur de deux films également, France en 1971, en 1972, Barbara et le Far West en 1973. Il a également composé plusieurs bandes originales de films. C'est donc Jacques Brel avec sa chanson représentée sous l'applaudissement du port d'Amsterdam. C'est noir, il y en a. C'est mignon, effectivement. Elle est adorable. C'est mignon. Alors, moi. Alors, moi. Alors, moi. Chanteur présenté sur ce deuxième char, Pierre Bachelet, avec sa célèbre chanson. Il a écrit également plusieurs musiques de films. Son plus grand succès a été la bande originale du film Emmanuel de Jean-Jacques, qui a été vendu à 1,4 million de 33 tours et 4 millions de 45 tours. Incroyable. Bachelet participe aussi à la musique des films Coup de tête et La victoire en chantant de Jean-Jacques Hano, ainsi que Les bronzés font du ski de Patrice Lecomte. Et il a également réalisé la musique du film Histoire d'eau en 1975. C'était Pierre Bachelet et Les Corons. Et regardez cette magnifique réalisation. Une cabane. Cabano de Lynn Renault. La cabane au Canada est une chanson de 1947 qui a reçu le Grand Prix du disque en 1949. Lynn Renault est née le 2 juillet 1928. Elle a aujourd'hui 88 ans. Elle est née à Nieppe, dans le Nord, sous le nom de Jacqueline Santé. Elle a épousé Louis Bastille en 1952.
demoiselle Franck-Marie-Pierre. Thank you.
arrivera un moment. Mais dans le temps d'école, on était habillé comme ça. Hein. Mmh. Les bérets et puis les blouses. Hein. Thank you.
Oh, la vie, c'est un peu plus.